Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Assassin's Creed The 3 pour les aventures de Desmond Miles à travers son ancêtre Ethan Kenway. Et on va reprendre exactement à l'endroit où on s'est arrêté. Donc on va commencer la séquence 2 intitulée Boston 1754. On vient de débarquer donc aux États-Unis et on a rencontré Charles Lee. Et on était en conversation avec lui. Donc, c'est parti. Oui, c'est bien moi. Je suis affecté auprès d'Edward Braddock, n'est-ce pas? Oui, mais il n'est pas encore en Amérique. Je me suis dit que... Eh bien, jusqu'à son arrivée, j'ai pensé que... Allez, allez, pardon. Pardonnez-moi, monsieur. J'espérais pouvoir étudier auprès de vous. Si je dois servir l'ordre, je n'imagine pas meilleur mentor. Tu es bien gentil... Mais je crains que tu ne me surestimes. J'en doute, monsieur. Par ici. Servir l'ordre. Moi, ça me plaît pas, cette phrase-là. C'est le moment où il parle. Déjà, dans le premier épisode, il parlait de l'ordre. Là aussi, lui, de servir l'ordre. Boston est une ville assez animée. Il y a toutes sortes de choses à voir et à faire. Une fois installé, je vous invite à en parcourir les rues. Qui sait, des opportunités se présenteront peut-être. Attends un instant, je dois faire des achats avant de poursuivre. Je vais en profiter pour aller chercher nos chevaux. Ok, trouver un magasin général. Ouais, donc du coup, servir l'ordre, faire honneur à l'ordre. Ça me plaît pas ces phrases-là. C'est l'ordre, pour moi, c'est les Templiers. Quand il s'agit des assassins, c'est la confrérie. Bon, après peut-être que je me trompe, hein, mais je sais pas. Mauvais pressentiment. Maudit voleur. Ah, cette satanée ville finira par me tuer. Vous semblez soucieux, mon ami. C'est parce que je le suis. Grandement, en fait. Que s'est-il passé? J'ai été détroussé par des crapules. Et même si j'ai réussi à récupérer mon bien, il est en miettes. Vous parlez de ce livre? Ce n'est pas un simple livre, mais un almanach, mon tout premier. L'almanach des sports. Benjamin Franklin, ravi de vous rencontrer. Ethan Kenway. Vous venez d'arriver à Boston. Comment le savez-vous? Vous témoignez encore d'une certaine vertu. Vous arrêtez ainsi pour aider un vieux rustre. Pardonnez ma franchise, mais vous semblez vif et alerte. Si vous trouvez les pages manquantes, je vous récompenserai. Écoutez, je ne sais pas si... Je n'ai rien, mon bon. Si vous avez le temps, parfait. Sinon, j'en ferai mon deuil. De toute manière, je ne peux rien en tirer dans cet état. Mais si vous parvenez à le reconstituer, vous me trouverez dans cette boutique, là-bas. Bon. Une rencontre intéressante. Ok. Collectez les pages de l'Almanach 1733, volume 1. Ouais, bon, on verra ça plus tard, si jamais on envoie des pages. Pour l'instant, il faut aller s'équiper. Salut mon brave. Qu'est-ce qu'il vous faut, mon ami? Bah, ce que t'as. Alors, arme normale. Ah, bon, on peut acheter que l'épée. Arme à feu. On peut que acheter le pistolet à pierre. Il est cher, son pistolet à pierre. Pas moyen de négocier. Ah, il nous reste plus que 150 livres. Livres sterling. Montez à cheval et suivez Charles Lee et Green Dragon. Nous allons au Green Dragon, une taverne. Les propriétaires sont excentriques. Allons à la taverne, on va aller boire un coup. A-t-on appris la raison de ma présence à Boston? Non. Master Burt m'a dit que vous me communiquerez ce que je dois savoir. Il m'a envoyé une liste de noms avec pour consigne de vous aider à les trouver. Les recherches ont-elles porté leurs fruits? Oui. William Johnson nous attend au Green Dragon. Que sais-tu à son sujet? Pour peu. Mais en voyant la marque de l'ordre, il n'a pas hésité à me suivre. Prouve ta loyauté à notre cause, et je te dévoilerai nos plans. Rien ne me ferait plus plaisir, monsieur. Ça, vous voyez, la marque de l'ordre.
J'aime pas cette phrase. En plus, prouve ta loyauté. Les assassins, ils parlaient pas comme ça. Dans les autres Assassin's Creed. Enfin, moi, je me trompe. Mais... Pressentiment qu'on est en train de se faire avoir et que cet ancêtre n'est pas un assassin. On verra bien ce que ça donne. Hein. Menteur, crapule, espèce de bon à rien. Peut-être devrions-nous revenir plus tard. C'est pas moi qui ai le parole, ça va. Oh, pensez-vous, mes braves. Asseyez-vous. Oh, arrête vous de sourire, à manger, tu fais peur. À boire, peut-être. Oh, ma gueule. Peut-être bien un lit. Nous avons déjà retenu des chambres. Ah oui. Bien sûr. Messieurs Lee et Kenway, c'est ça. Je vais monter vos sacs. Je vais monter. En fait, vas-y, va travailler la gueuse. Aurez-vous besoin d'autre chose? Non, qu'on nous laisse. Suivez Charlie. Ok. Nouvelle arme disponible dans les boutiques. Ah bon? Sir, William Johnson. Enchanté. Un bon gars, encore un peu naïf. On m'a dit que vous prépariez une expédition. Il existe un site des précurseurs dans la région. Je compte sur votre connaissance du terrain pour le localiser. Hélas, on m'a volé mes travaux. Comme par hasard. Et sans eux, je ne peux rien pour vous. Nous les retrouverons. Vous savez qui les a pris? Mon associé, Thomas Hickey, a entamé des recherches. Il a du talent pour délier les langues. Bien, dites-moi où il se trouve, et je tâcherai d'accélérer les choses. Des rumeurs mentionnent un groupe de bandits au sud-ouest d'ici. Vous le trouverez sûrement là-bas. Charles. Sir. En route. Nous devons partir. Bien sûr. On peut pas courir quand on est à l'intérieur. Ah ben ça va, on est directement ramené chez le gars. Salut. Thomas Hickey? Qui le demande? Ethan Kenway. C'est censé me dire quelque chose? N'oublie pas tes manières, toi. Du calme, Charles. William Johnson nous envoie afin que nous puissions hâter vos recherches. Il n'y a rien besoin de hâter. Et puis ravaler votre beau parler de Londres, Milord. J'ai déjà trouvé ces sales voleurs. Alors, qu'attends-tu pour agir? Je cherche un moyen de m'occuper de cette vermine. J'ai une idée. Fallait leur rentrer dedans. Écoute. Je vais tuer le guetteur et prendre position derrière les gardes. Vous deux, approchez-les par devant. Quand j'ouvrirai le feu sur eux, chargez. L'effet de surprise jouera en notre faveur. Ils auront mordu la poussière avant d'avoir compris ce qui se passe. Ok. Allez. Y pour tirer. Boum. Prenez position. Mais attendez mon premier coup de feu. Ah, pas recharger l'arme à chaque fois. Thank you.
Ah, enfin, ça c'est fait. Obligé d'en tuer avec une arme quand même, s'il faut en tuer 10 pour pouvoir avoir l'objectif secondaire. Et maintenant, nous ferons sauter la porte avec ça. Allez-y, tirez dessus. Hop, ça c'est fait. Ils n'ont pas été si bien abrités là-dedans. Ira après que nous aurons trouvé les papiers de Johnson. Oui, maître. Surtout que c'est moi qui suis en train de piller. Posez vos armes, et je vous laisserai peut-être la vie sauve. Je vous retourne votre offre. Mon seul but est de restituer ce coffre à son légitime propriétaire. Il n'y a rien de légitime chez Johnson. Je m'impatiente. Moi aussi. Ah, duel de flingue. Vous n'avez que faire de livres et de cartes. Pour qui travaillez-vous? Il ne se montre jamais. Il nous contacte par lettre. Mais il paie toujours rubis sur l'ongle. Eh bien, tout cela est terminé. Vous pouvez l'annoncer à vos maîtres. Ils voudront savoir qui vous êtes. Inutile. Ils le savent. Ah ouais. Ils sont déjà au courant. Celui-là est encore lesté de plomb. Vous devriez le récupérer. Votre arme est à court de balles. Ouais, non, on est pas à court de balles. Ça m'a donné soif. Ne laissez pas Aiki et lui perdre plus de la moitié. Eh, n'avancez pas si vite, les mecs. Veille bien sur le coffre, Charles. Je m'occupe de cette vermine. Oh, comment que c'est beau, les assassinats. Hey, ces cadavres ont sûrement les portraits. Ce serait un crime de ne pas en profiter. Es-tu devenu fou? Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, nous avons autre chose à faire. Mais non, attendez deux minutes. Faut toujours fouiller les bonhommes. Il y a toujours des trucs intéressants à ramasser, ne serait-ce que pour les sous. Pousse-toi à la gueule.
ça que je vais faire. C'est prendre l'arme. Imbéciles n'ont que des couteaux. Rien de bien méchant. Ce ne sont pas ces gredins qui m'inquiètent. Ah, il avance trop vite. Ah, vite. Que j'ai le temps de fouiller les autres bonhommes. Bah, il y en a un que j'aurais pas le temps de fouiller, tant pis. C'est bon, j'ai le temps de le fouiller ceux-là. Avec eux. Nickel, c'est bon. J'en ai tué 10 avec une arme. En plus, apparemment, ils n'ont pas perdu plus de la moitié de leur sang. Lee et Ivy. Ah, après ça, Monsieur Johnson va devoir me doubler mes gages s'il veut que je reste à son service. Que pour le pognon, mais. Voilà votre coffre. Merci, Master Kenway. Maintenant, dites-moi ce que vous cherchez. Les images sur cette amulette, vous sont-elles familières? Une tribu vous a-t-elle montré quelque chose qui y ressemble? Ça semble d'origine Canyon Geaga. Pouvez-vous l'associer à un endroit précis? Je dois savoir d'où elle provient. En consultant mes travaux, sans doute, je vais m'y atteler. Thomas ? Quoi ? Prends une chambre. Et aussi un bain. Nous allons rester ici quelque temps. Ok, la course de Johnson terminée. En allant 100%, ouais, synchronisation totale. Ok, au suivant, lancer la mission. Bonsoir, messieurs. Charmant. Bon, allons, Charles, il est plutôt attachant. Hé hey, Catherine, au travail. Viens par ici. Perce-moi un peu à boire. Que donnent vos recherches? Mes calculs et mes cartes ne suffiront pas. Et vos contacts chez les indigènes? Ils ne parleront
que si nous gagnons leur confiance. J'ai ma petite idée pour réussir ce coup-là. Un homme capture des Indiens pour en faire des esclaves. Si on les sauve, ils nous aideront, c'est sûr. Bah... Sais-tu où sont ces esclaves? Je crois pas. Benjamin Church le saura. Il est toujours au courant de tout. Et il est sur votre liste. Et dire que je me demandais encore qui recruter. Bravo, Charles. J'aime pas ce mec, Charles. Il a trop une tête de vis là. De toute façon, le traître à plein nez. On commence à avoir l'habitude avec les Assassin's Creed. Il y a toujours des traîtres. Et celui-là, il a une bonne tête de traître bien vis là. Ok, allez, la suite. Le chirurgien. Non, bah y'a personne. Tant pis. Faudra qu'on revienne plus tard. Ouais. Charles. Sir. J'ai l'impression que nous ne sommes pas les seuls à chercher Monsieur Church. Bon sang, qui sait où il peut être? Qu'allons-nous faire? Le retrouver. Après la tête de Pislard. Je vais te montrer. Ok, espionner les voisins de Ben Church depuis une cachette. Ça c'est nouveau. Les marqueurs orange indiquent que la présence de ce qui est. Peut-il écrire à sa famille d'après vous? C'est une intention louable, mais ce ne sont pas mes affaires. On ne peut plus bouger. Dites l'état de l'éducation et de l'institution. Ok. La Boston Gazette. Découvrez la vraie valeur. Couleur jaune, ça signifie. Ok, d'accord. Placez-vous entre deux citoyens pour vous dissimuler. Commence par interroger les gens dans la rue. Je vais prendre de la hauteur. Ah, ça on sait faire. Pour toutes les correspondances transatlantiques. Prendre de la hauteur. Il va falloir chercher un point d'observation. Ok, on doit monter là. Ça aussi, quand ils sautent au-dessus des obstacles, c'est stylé quand même. Allez, il faut grimper, grimper, grimper. Notre premier point d'observation du jeu. Vraiment en équilibre sur la croix. Hein. Il suffit de tendre l'oreille.
Avec un peu de chance. Espionner conversation d'un groupe de gardes en mouvement, ne manquez aucun espionnage. De la viande demain. Oui, bonne idée. Ah ben voilà, exprimer la conversation à l'endroit. Un groupe de gardes en mouvement, c'est fait. On peut prendre le point d'observation, non ? Ça pourrait être utile. C'est là-bas. Ok. Reposez mon aide. Paye mon congédié. Selon eux, tout allait pour le mieux. Étrange. Ont-ils dit ce qui s'était passé? Non. Simplement qu'il y avait rien de grave et qu'il serait bientôt de retour chez lui. Mais j'ai vu du sang. Je me demande si c'était pas plus grave qu'il le prétendait. Où l'ont-ils emmené? Vers le haut de la colline. Il y a peut-être un docteur au fort. Ok. Alors, ne vous faites pas détecter. Accompagnez-lui sur les fronts de mer. Tu vois, Charles. Nous aurons bientôt retrouvé Church, comme je l'avais prédit. Si je peux me permettre, sœur. Où avez-vous appris tout ça? Ces enseignements sont obligatoires dans l'éducation que j'ai reçue. Allez, cours, dis. Dépêche-toi, là. Viens là. La perception est fondamentale pour notre ordre. Elle guide nos pieds et nos mouvements. Elle informe nos mains pour combattre et pour tuer. Mais par-dessus tout, elle transforme nos sens. Et elle change notre regard sur le monde. Prudence. L'endroit est bien gardé. Il faudra être discret.
Hop, 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 il y a des gardes. Il vaut mieux attendre à l'extérieur de la zone. Oh, c'est pas fait détecter, arrête. Pas s'être fait détecter, on n'était pas dans, dans la zone rouge. Fêler ces gardes quoi. Bon, j'espère qu'on n'a pas tué notre objectif secondaire. M'a suivi le ton. Ouais, c'est bon, il m'a suivi. Fermé. Je dois trouver cette clé. Reste ici. Il y a encore le passeur détecté. On a le choix entre trois points. Lui, il n'y a qu'un garde qui risque de faire chier pour le moment. Il veut pas bouger donc là. Voilà, c'est bon, ça c'est fait. Yes. Nous y voilà enfin. En plus, je crois qu'on s'est pas fait détecter du coup. Donc la synchronisation sera totale. Pourquoi rends-tu toujours les choses si difficiles, Benjamin? Contente-toi de me dédommager et je te pardonnerai cet affront. Je refuse de payer pour votre protection. Et pourtant, tu en as tant besoin. Regarde dans quel état tu es. Quelle grossièreté. Bon, qu'allons-nous faire de notre ami? Et si je lui coupais les mains, ce serait fini la chirurgie. Ou peut-être la langue.
ne jouerai plus les commères. Ou alors, je le castre. Ça lui passerait l'envie de nous baiser. Un choix si vaste, j'ai si peur de me tromper. Fais les trois. Oh, attendez un instant, Silas. J'ai peut-être refusé votre offre sans réfléchir. Je suis vraiment navré, Benjamin. Mais il est trop tard. Soyez raisonnable, Silas. Oh, je crois l'avoir été. Mais tu as préféré profiter de ma générosité. Je ne fais jamais deux fois la même erreur. Je ne me sens pas capable d'assister à de tels actes de barbarie. Viens me voir quand ce sera fait, Cutter. Tu le regretteras, Silas, tu m'entends? J'aurai ta tête! Non. Cela m'étonnerait fort. Ah, il lui a coupé la narine. Et un autre par là, je vais me faire de jolis souvenirs. Hey, par ici, bande de sauvages! Allez, venez me chercher! Bon, bah, ça a été vite réglé, ça. Ça va, l'ami? Qui êtes-vous? Ethan Kenwell, pour vous servir. Mais je n'y comprends rien. Que faites-vous ici? Ah, suivez-moi, Mr. Church. Je vous expliquerai tout. Ah, il s'est fait bien quand même trancher la narine. Ah ouais, il a une balafre sur la narine gauche maintenant. C'est bien. Ouais, sacré balafre. Hein. Johnson m'a fait part de vos intentions. Il se trouve que l'homme qui me tourmentait est celui que vous cherchez. Il se nomme Silas Thatcher. Ce dandy fait dans l'esclavage. Ne vous fiez pas à ses manières raffinées. Je n'ai jamais rencontré d'homme plus vil et plus cruel. Parlez-moi un peu de ses activités. Il dispose d'une centaine d'hommes, dont plus de 50 tuniques rouges. Tout cela pour une poignée d'esclaves. Mais non. Il est commandant dans l'armée du roi. Il dirige le fort de Southgate. Ok. Il va falloir nous y infiltrer. Laissez-moi y réfléchir. En attendant, je vais m'occuper de notre dernier recrue. Il s'appelle John Pitcairn. Je sais où le trouver. Bien. Avec ta tête de Vislar, tu sais tout, c'est pas normal, toi. Le soldat, lancez la mission. Que venez-vous faire ici? Je t'en pose des questions. Oh, du bois pour alimenter le bûcher. Allez-y. C'est pas peut-être qu'il va alimenter le bûcher si tu continues à me parler comme ça. Comment as-tu fait? Rappelez-vous, monsieur, je suis aux ordres du général Braddock. Quand je n'obéis pas aux vôtres, bien entendu. Bon allez, Charles, avance plus vite là. C'est trop lent dans ta démarche, mec. Allez, on n'a pas le time là. Imbécile. Vous vous comportez comme un traître. Donnez-moi une bonne raison de ne pas vous faire tuer sur le champ. Et quand comptiez-vous vous annoncer? Où espériez-vous qu'on ne marquerait pas votre arrivée? Si vous me laissiez m'expliquer. Oh, mais faites donc. Je suis impatient de vous entendre. Je n'ai pas déserté, sœur. Je suis ici sur ordre du commandant Hammers. Montrez-moi une lettre portant son sceau, et vous échapperez à la corde. Je n'ai rien de tel. Vu la nature de ma mission, sœur, c'est... Ce genre d'ordre ne se met pas par écrit. État. Général Braddock. Je ne suis pas surpris de te voir. Lilou se déplace en meute. Master Pitcairn nous rejoindra pour quelques semaines, et je le renverrai à son poste dès que notre tâche sera terminée. L'œuvre du diable, sans doute. Mes supérieurs ont déjà insisté pour que je te laisse disposer de Charles, mais ils n'ont rien dit au sujet de ce traître. Je m'y oppose. Edward, sois raisonnable. J'en ai fini avec eux, raccompagner ces hommes. Tête de con, moi. Moi, toi.
Je veux pas que tu me menaces, sinon je vais te mettre un coup de lame entre les deux yeux. Eh bien, je ne m'attendais pas à cela. Et dire que je le considérais comme un frère. Que faire? Nous chasserons si nous tentons de revenir. Nous n'avons plus rien à faire ici. Et la fortune vient de nous montrer le chemin. Suis-moi. Que comptez-vous faire? Enlever Monsieur Pitcairn. Quoi? Fais-moi confiance. Quand je donnerai le signal, tu vas attirer l'attention de la patrouille de Braddock et les conduire dans une impasse. Maintenant. Oh ! Vous n'êtes que des voleurs et des canailles. On ne veut pas de votre fausse guerre. Uh-oh. Là, il fallait un peu trop attirer l'attention. Suivez-lui pourtant une embuscade à la patrouille de Braddock. Mais pourquoi ça marche pas? Ah, on peut tirer sur lui. Lâche-le, Edward. Encore toi. Relâche-nous. Et John Pitcairn aussi. Je ne laisse personne bafouer mon autorité. Moi non plus. Eh ben, tu vas mourir alors. Hein. Passez-leur tous les fers. Mais les fous. Merde, faut que je le rattrape là. Réussissez des combos séquentiels moins 3. J'ai pas réussi ça. Ah, j'aurais pas tout à 100%, je crois. Du temps où nous étions frères, avant que tu ne sombres si bas. Mais si nos chemins se recroisent, je ne serai pas aussi clément. Vous êtes libre, John. Sale traître, vas-y. Rejoins donc ces maudits idiots. Et quand tu agoniseras, comme j'imagine que vous avez de bonnes raisons d'agir ainsi. Mais qu'attendez-vous de moi? Je vous expliquerai tout en chemin. Ouais, je savais pas qu'il fallait faire un combo séquence machin là. Du coup, je vais pas tout avoir. Ouais. 150 sur 195. Réussissez.
Merde. Non, 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 non. Réussissez et des combos séquentiels. Fallait en faire 3. Toutes les contraintes terminées d'un seul coup. Ouais, tant pis, hein. Ça nous fait quoi? Ça nous fait 77%. Bon, c'est pas grave. Bon, ça jouera pas grand chose. Enfin, ça joue en rien sur l'aventure, je pense. Allez, la suite des opérations. Infiltration de Southgate. C'est parti. Messieurs, je crois avoir trouvé la solution à notre problème. Ou plutôt, c'est Ulysse qui l'a trouvé. Ulysse qui? C'est un nouveau? Le héros grec, sombre idiot. Écoutez, voilà mon plan. Nous entrerons dans le fort de Silas, déguisés en soldats. Une fois à l'intérieur, nous libérerons les Indiens et tuerons l'esclavagiste. Plutôt risqué. Ça me plaît. Bien. Commençons. Tout d'abord, nous devons trouver un convoi. Ne va plus tarder. Vous attaquerez à mon signal. À vos ordres, sœur. Agissons avec précision et nous les prendrons tous par surprise. Ok. Alors, appuyez sur B pour ramasser l'arme. Ça y est, c'est fait. On est Charles, déguisé. Tu assureras l'avant-garde avec William. Ne laissez personne nous atteindre. Et moi, je fais quoi? Toi et John, vous suivez à distance en gardant un œil sur nos arrières. Je vous ferai signe quand j'aurai besoin de vous. Allez les gars. Ah, salut Pocahontas. Nous sommes venus t'aider, ainsi que tes frères détenus au fort de Southgate. Libère-moi. Pas avant d'être entré. Je ne veux pas risquer de problème à la porte du fort. Tout ira bien. Je te le promets. Ça sent pas les steaks. Sais-tu comment Silas est organisé? De combien d'hommes il dispose? En quoi consistent ses défenses? Il doit être très important à ses yeux pour qu'il t'accorde une escorte. Des ennemis arrivent. Dois-je les attaquer? Non. Laissez Jonathan et Thomas se charger d'eux. À vos ordres. Il te méfie de nous. Je comprends que tu peines à m'accorder ta confiance. Tant pis. Bon, à ce rythme-là, on n'est pas prêt d'arriver au fort. On peut pas accélérer la cadence. Non, on peut pas. Halt, identifiez-vous. Où est le lieutenant John? Qu'est-ce que ça signifie? Tous à l'attaque! Allez.
obligé d'attaquer avant de se faire repérer quand même. Seul moyen de passer. C'est maudit. Maintenez-les au loin. La poussure. Ah, il a tué le chien. Ok, il a mis un coup de tomahawk. Donnez mon ordre et je les mets en pièces. Bah vas-y, on va les mettre en pièces. Fais toi plaisir. La voie est libre. Dommage qu'on peut pas descendre et fouiller les corps. Il y en a un paquet en plus. Halt ! Qui va là ? Bonsoir messieurs. Non, pas. Que venez-vous faire ? Livraison pour Silas. Allez-y. Bah c'était pas compliqué de rentrer dans le fort. Tu vois, je te libère comme promis. Maintenant, j'aimerais pouvoir... Ouais, se barre. Laisse-la. Mais elle va nous trahir. Non, je ne crois pas. Quel est le plan ? Libérer les prisonniers sans se faire repérer. Et pour Silas ? La mort. Ah. Ah, on aime bien ça. Vous serez prêts, faites-nous signe. Trouver et assassiner le général, réussissez des assassinats furtifs depuis un coin. Ok. Les sont des ennemis très habiles, j'utilise des techniques d'investigation, d'accord. Donc il y a sans doute les trois prisonniers à libérer, mais il faut trouver aussi le général. Par contre, il vaut mieux prendre les lames secrètes que la lame là. Bon, c'est pas faire terrer. On va pouvoir libérer les premiers prisonniers. Pas que j'oublie aussi que je dois assassiner des gardes depuis des coins. Il va venir jusque là. Ce sera peut-être le deuxième qu'on pourra tuer. Non, on n'a pas essayé de repérer.
C'est pas le général, lui. Non. C'est pas le général non plus celui-là, mais ce sera le troisième assassinat de plein coin, je pense. Voilà, ça c'est fait. Les deuxièmes prisonniers. Bon, on sait où ils sont à peu près, les derniers prisonniers à libérer. Par contre, il faut trouver le troisième. Enfin, il faut trouver le général. Ici. Il y en a un de nos alliés qui s'est fondu dans le décor. Il n'est pas dans le coin là. Un des deux là, peut-être un des deux là. Ah, je crois que ça doit être l'autre là-haut. On va essayer de faire des assassinats propres. Alors, il est... On a un allié dans le tas. Ah, il est là-bas au bout. Ouais, ça risque d'être chaud de passer comme ça par derrière. Parce qu'il faut surtout pas se faire repérer. Je ne comprends pas. Non, il s'appelle Cosgrove. On va essayer de les attirer un par un. C'est bien lui. Le lieutenant. Parfaitement. Le lieutenant Cosgrove. Le héros de Culloden. Faudrait qu'on arrive à tirer de lui là. Ah, s'ils viennent tous un par un, ça va être. Ah,
Ouais, non, merde. Là, par contre, ça fait beaucoup. Bon, ça va, on a réussi à en choper un quand même. Ah, du coup, ils se sont écartés. Ah, mais ils reviennent tous au point. Ah oui. Oui, oui, viens à toi. Yes, ça c'est réussi. Bon, il n'y a plus qu'à aller libérer les derniers prisonniers. Là-bas. Ah, y a beaucoup de gardes là encore. On va essayer d'en attirer un par un. Hein. Ils nous ont même pas entendu. Ils en ont rien à foutre. Ah si, ça y est. Ah mais merde, il y en a 3, 4. Ah, ça va, on a réussi à en choper un. Mais non, on monte pas. Moi je les attire tous si je prends. Je trouve un autre passage. Nombreux à cet endroit. Est-ce que je peux les attirer par là? Il n'y en a qu'un qui vient? Oh, ce serait trop bien. Ah, si je viens un par un, ça va être nickel.
Ouais, je vais tous les tasser au même endroit. Il y aurait ce combien là-bas. 3 dans un allié. Bouge plus là. Ouais, nickel. J'ai pu les esquiver. Ah, je vais pas pouvoir le tuer, il y a l'autre là-bas. Il risque de me voir celui-là. Moi qui reste assez longtemps. Ouais. Parfait ça. Oh, il n'y a plus que ces prisonniers à libérer. Faut se débarrasser sûrement de ce garde déjà. Allez, hop, ni vu ni connu. Voilà. Ça c'est bon ça. On a libéré tous les prisonniers sans se faire capter. Ben, je voulais dire on va se planquer mais apparemment non. J'avais demandé une heure de calme, mais je suis réveillé au bout de 10 minutes par cette cacophonie. J'exige qu'on me donne une explication et faites qu'elle soit bonne. Quoi? Comment est-ce arrivé? On a libéré ma précieuse marchandise? C'était tolérable? J'aurai la tête des responsables, soyez-en sûrs! Mais avant, nettoyez-moi tout ça! Bouclez le fort, tuez ceux qui cherchent à s'enfuir! Je me moque qu'ils soient avec nous ou contre nous! Quiconque approchera de la porte le paiera de sa vie! C'est compris? Ok. Il est en panique, le mec. Il sent l'heure de la mort qui se fait sentir. Évitez les lignes de feu. Voilà, c'est fait. Oh, okay. J'ai même esquivé encore d'autres qui a voulu me tuer par derrière. Qui êtes-vous? Je suis Etam Kenway. Vous ne me connaissez pas.
crois que l'individu ici présent vous est familier. Je t'ai fait une promesse, Silas, et je compte la tenir. Bam. Il avait dit qu'il aurait ta tête. Bah normalement j'ai la synchro totale, hein, parce que j'ai évité les lignes de tir. Oh, elle sourit, Pocahontas. Qu'allons-nous faire maintenant ? Attendre. Le moins longtemps possible, je l'espère. Ah non, il y a une que j'ai ratée. Pourtant j'ai tout trouvé, assassiné, éviter les tirs, toutes les contraintes terminées d'un seul coup. C'est à cause de ça que j'ai pas la séquence complète, quoi. Bon. Bizarre. Séquence 2 terminée. Eh ben magnifique. Du coup je vais m'arrêter là pour cette vidéo. On va faire pause. Ouais, du coup la séquence 2 est terminée, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la séquence 3, on découvrira ce que c'est. Sur ce, salut à tous.